ربنا. وربعنا هذا لا لا لا، هذا سيء فجري تحت هذا سيء سيء، كملته تحت منه تحت منه. ها هذا هو. أبدأ بكلمة Vous entendez? Oui. On peut commencer le deuxième cours? Oui, docteur. Donc, c'est la pathologie du corps utérin. C'est bon? Vous entendez? Oui. Ouais. Est-ce que vous voyez l'écran? La diapo, tu vois? Oui. Hein? Bon. Introduction. Le corps utérin comporte deux structures. On a la muqueuse endométriale et le corps utérin proprement dit, c'est le myomètre. Donc, en introduction, les tumeurs du corps utérin correspondent à l'ensemble des proliférations tumorales primitives développées au dépend des structures épithéliales et des structures mésenchymateuses qui le constituent. Je m'explique. Je vais vous expliquer après sur la philistologie. C'est quoi ces structures épithéliales et les structures mésenchymateuses? Au niveau du corps utérin, 95% des tumeurs sont des carcinomes. Le reste, c'est des sarcomes. Sur le plan épidémiologique et sur le plan, avant l'épidémiologie, je vais vous donner le rappel histologique. L'utérus comporte une muqueuse qui est l'endomètre. Elle est revêtue d'un épithélium cylindrique et soutenue par un chorion, n'aïtole le chorion cytogène ou le stroma cytogène. À côté de cet endomètre, on retrouve des couches épaissies de structures musculaires, c'est le myomètre. C'est bon? C'est bon ou pas? Oui, Hakim. Voilà. Donc, ça, c'est le rappel histologique. Donc, si je parle de structures épithéliales, on va avoir des carcinomes. Si je parle de structures mésenchymateuses, c'est des sarcomes. Sur le plan épidémiologique, le carcinome de l'endomètre est un cancer de la femme âgée après la ménopause ou périménopausique. Les facteurs qui entrent en jeu, c'est une hyperstrogénie, c'est une surexpression d'œstrogène. On a la nulliparité, on a les avortements en répétition, on a également l'obésité, le diabète, le facteur génétique qui a rapporté et la cigarette. C'est bon? Comme toute lésion, avant d'arriver au cancer proprement dit, on passe par des lésions précancéreuses. Et ces lésions précancéreuses sont représentées par quoi? Et bien, par l'hyperplasie glandulaire de l'endomètre. Cette hyperplasie glandulaire peut être sans atypie et elle est considérée comme une lésion bénigne. Et on peut avoir une hyperplasie glandulaire avec des anomalies, avec des atypies. Et ça, c'est un état précancéreux. Il faut passer à un problème chirurgical. Parce que comme tout cancer, ce n'est pas un traitement médical. C'est bon? C'est bon? Vous entendez ou pas? C'est bon. Donc, on va passer à l'aspect anatomopathologique. Donc, on a deux grands types. On a les tumeurs épithéliales primitives pures. On a les tumeurs mésenchymateuses pures. Et on a l'association des deux, c'est-à-dire mésenchymateuse et épithéliale.
On rappelle l'apport de la cytologie fit le cancer du corps utérin n'amène rien, contrairement au cancer du col utérin, qui c'est les frottis cervico-vaginaux qui ont un intérêt primordial, surtout pour signer les lésions dysplasiques ou la lésion intra-épithéliale de bas grade ou la de haut grade. Donc, l'apport de la cytologie au niveau endométrial n'a pas d'intérêt. C'est le curetage biopsique sur lequel l'étude histologique peut affirmer ou infirmer la malignité. C'est bon? Oui. Donc, comme tout cancer, comme je vous ai dit que c'est des tumeurs épithéliales, on va parler des adénocarcinomes. Donc, c'est l'adénocarcinome, je me répète une deuxième fois, c'est un cancer qui va intéresser l'épithélium cylindrique et les structures glandulaires. Et parmi ces adénocarcinomes, sur le plan microscopique, on a différents types. On a l'adénocarcinome endométrioïde, c'est le plus fréquent. Il est représenté par des structures épithéliales, des structures glandulaires, qui sont des structures glandulaires présentant des atypies cytonucléaires de bordure. Ces glandes sont en nombre important et ce sont des glandes qui sont adossées les unes contre les autres. Et c'est pour ça qu'ils nous font rappeler la muqueuse endométriale. C'est pour ça qu'on parle endométrioïde. Ces adénocarcinomes sont de bons pronostics et pour le diagnostic histologique de certitude, on a recours aux récepteurs hormonaux qui sont les récepteurs, c'est les œstrogènes et la progestérone, comme au niveau du sein. C'est bon? C'est bon? Parfait. Donc, ça, c'est l'adénocarcine endométrioïde. On a d'autres adénocarcinomes. On a l'adénocarcinome à cellules claires. C'est une entité rare. On a les adénocarcinomes papillaires, séropapillaires, c'est-à-dire comme au niveau de l'ovaire, ils sont de très mauvais pronostics. On a les adénocarcinomes mucineux, qui sont plus ou moins de bons pronostics par rapport aux autres adénocarcinomes. C'est bon? Oui. La diapo, c'est pas M. Herdi. Hein. Il y a eu un problème. Je termine quand même. Hadoum a les tumeurs épithéliales pures. Maintenant, les tumeurs qui naissent à partir du mésenchyme, c'est-à-dire les tumeurs conjonctives qui sont appelées sarcomes. Vous m'excusez parce qu'il y a un problème au niveau du micro. Vous avez la même plaque, Hedy? C'est la même plaque? Non. Hein? Non. Non, donc je vais vous expliquer. Les sarcomes. Vous avez les sarcomes, hein? C'est bon? C'est bon? Parmi les sarcomes, on a les sarcomes stromaux, endométrioïdes, on a les léiomesarcomes, on a les carcinosarcomes, et les adénosarcomes. Vous suivez? Vous suivez? Oui. Bon, les sarcomes stromaux.
c'est-à-dire le sarcome stromal. Il y a deux types. Il y a les sarcomes stromaux de bas grade et les sarcomes stromaux de haut grade. Les sarcomes stromaux de bas grade, c'est-à-dire on va voir une prolifération sarcomateuse présentant des atypies cytonucléaires modérées avec des mitoses atypiques et dans un fond épais fait de trousseaux de collagène, de trousseaux de fibres musculaires. Le deuxième type, le sarcome stromaux de haut grade, c'est le contraire. Ce sont des proliférations sarcomateuses également, mais dont les anomalies cytonucléaires sont très prononcées, avec des mitoses atypiques élevées, avec des foyers de nécrose et des hémorragies. Et ils sont de très mauvais pronostics. Le troisième type, c'est les leiomyosarcomes. Donc, le leiomyosarcome, c'est quoi? C'est une tumeur qui se voit chez les femmes en période périménopausique ou en activité génitale, mais c'est très rare. Il se traduit sur le plan clinique par des métrorragies. Et c'est le leiomyosarcome sur le plan histologique. C'est une prolifération de cellules fusiformes avec des anomalies cytonucléaires sur un fond musculaire lisse. C'est une tumeur le plus souvent unique. Ils sont de très mauvais pronostics. Les carcinosarcomes, c'est-à-dire c'est l'association de deux types, les carcinomes et les sarcomes. On les appelle les tumeurs hétérologues. Ils sont de très mauvais pronostics. On a les adénosarcomes. Donc, vous entendez? Vous suivez? Les adénosarcomes, c'est toujours une double prolifération, un double contingent qui va intéresser les structures glandulaires, mais dans ce cas-là, les structures glandulaires sont bénignes. Alors que l'adénosarcome, la composante mésenchymateuse, est maligne. C'est bon? Ça, c'est pour les lésions sarcomateuses. Donc, je me répète, donc, il y a les tumeurs épithéliales pures, il y a les tumeurs mésenchymateuses pures. Les tumeurs épithéliales pures sont représentées par des adénocarcinomes, surtout l'adénocarcinome endométrioïde, plus les différents types que je vous ai cités. Le deuxième, pour les tumeurs mésenchymateuses pures, on a les sarcomes endométrioïdes de bas grade et de haut grade, et les leiomyosarcomes. Pour l'association, on a les carcinosarcomes et les adénosarcomes. Ça, c'est pour les tumeurs malignes. Il peut exister d'autres lésions diverses. Les leiomyomes, c'est toujours une prolifération qui va intéresser les fibres musculaires lisses, mais dans ce cas-là, c'est une tumeur bénigne. L'ablation, on n'a pas recours, on n'a pas recours à une hystérectomie, sauf dans les cas où le fibrome ou le leiomyome est à disposition particulière. On a les polypes, ils sont fréquents, ils peuvent être uniques ou multiples. Polype, c'est quoi? C'est une formation polypoïde tapissée d'un épithélium cylindrique simple, régulier, et dont le corion est fibro-inflammatoire et renferme des glandes. Voilà, j'ai terminé. Est-ce que vous avez des questions à poser? Vous avez des questions ou pas? Vous m'entendez? Oui, on vous entend, docteur. Avez-vous des questions, oh là là? Non. Est-ce que vous avez compris ou pas? Oui, on a compris. Oui, très bien. Le message est passé? Oui. D'accord. Il y a une personne qui veut poser une question, je pense. Bon, je vous souhaite bon courage. Allez, fais la main. Bon courage. Merci. Docteur, pardon. Oui. C'est juste à propos du la plateforme. Oui. On n'a pas de cours sur la plateforme.
pouvez-vous le déposer aujourd'hui ou... Qui fait la plateforme Manco, monsieur? Je vais leur demander au niveau de la structure. Et si vous avez des problèmes, il faut me faire signe ou barque. D'accord, merci beaucoup, docteur. De rien. Je vais leur demander pour la plateforme. C'est bon? Allez, bon courage. Merci. Cet étudiant. Bonjour. Est-ce que vous avez terminé? Oui, on a terminé le cours. On arrête l'enregistrement.